un nouveau sans filtre que je fais dans un Uber qui a à peu près 10 minutes. Donc on va faire comme si c'était la durée de ce sans filtre. Ça va me donner un challenge. Je sais pas trop quoi te dire. En fait, j'ai allumé ma caméra parce qu'aujourd'hui je me sentais pas très bien. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait être cool de partager ça parce que je sais pas, peut-être qu'il y a des gens des fois qui se sentent pas bien pareil. Et j'imagine que c'est bien entre êtres humains de partager quand on se sent pas bien. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec une boule au ventre et j'arrivais pas vraiment à comprendre ce qui se passait depuis ce matin. J'étais un peu en mode ouais, j'arrivais pas à comprendre, je voyais pas pourquoi, ce qui allait pas. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé autour de moi et je me suis dit qu'il fallait que je sorte de ma maison, qu'il fallait que je voie autre chose, que je change d'environnement. Et donc c'est pour ça que j'ai pris un Uber pour aller travailler au Starbucks d'à côté de chez moi. Alors pourquoi Starbucks? Parce qu'en fait tous les endroits cool où je peux travailler avec internet et qui sont protégés, qui sont fermés à cause du carnaval, c'est férié. Donc le seul endroit où je peux aller, c'est le Starbucks. Et du coup, en réfléchissant beaucoup, j'ai compris ce qui posait problème, pourquoi j'étais pas bien aujourd'hui. Mais je sais pas si au final c'est ça, d'accord? Je vais juste te dire et on verra. Je sais pas. En fait, depuis ce matin, je me sens ultra vide. Ultra, ultra vide. Et j'ai cette sensation que je... Ça fait un moment déjà que je donne beaucoup, 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 beaucoup de plein de manières différentes. Et qu'en fait, je prends pas le temps de remplir. Et du coup, à un moment donné, c'est vide si tu donnes. Quand je dis je donne, c'est par exemple le fait que ça fait des mois qu'il y a du monde chez moi en permanence et que je passe beaucoup de temps à donner de l'énergie aux gens que j'aime, que je suis très heureuse qu'ils soient là, donner du temps et de l'énergie aux gens, à aiguiller, répondre aux questions, à régler des problèmes. Je passe beaucoup de temps à régler des problèmes. Je pense que tu m'entends très mal, je suis désolée. Je sais même pas si tu me vois. Mais je me suis dit que si je faisais pas cette vidéo maintenant, après le sentiment passerait et je saurais pas bien l'expliquer. Donc on va faire avec. Je passe beaucoup de temps à régler des problèmes techniques de maison que j'avais plus envie, que je réglais plus depuis des années parce que... Enfin depuis des années. Depuis longtemps parce que je voyage et que j'ai plus de maison. Là je les règle. Et je loue chez moi depuis quelques temps aussi, depuis 3 mois maintenant. Et du coup j'ai tout le temps des gens chez moi. Ce qui est cool, c'est un choix. Mais du coup ça fait que de fait, eh ben, je passe beaucoup de temps aussi à renseigner des gens, à répondre à des problèmes, à me préoccuper. Je me suis rendu compte que du coup j'avais plus d'espace privé vraiment. Par exemple j'ai ma chambre qui est mon dernier espace privé dans la maison. Et toutes les pièces que j'aime, qui sont mes espaces privés, sont occupées. Mais ça, encore une fois, c'est ma responsabilité, c'est moi qui ai loué. Mais ça me manque, en fait. Je me suis rendu compte, par exemple, hier, en fait, là, en ce moment, on est plusieurs à dormir dans la chambre parce qu'il n'y a pas assez de place à la maison. Et du coup, hier, c'était dur pour moi parce que mon dernier espace privé, il était occupé. Quand je vais dans ma salle de bain, il y a des trucs d'autres personnes. Donc même ma salle de bain, elle est occupée. Et c'est trop bizarre. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé hier aussi, c'est... Je prête toutes mes affaires à tout le monde en ce moment. Tous mes habits, mes trucs. Et du coup, même ça, je ne l'ai plus. Et je perds des trucs parce qu'en fait, comme on est beaucoup, les choses elles se perdent. Par exemple, je sais pas, ce matin, c'est trop con, mais j'ai perdu mes... Je me suis rendu compte que j'avais plus mes écouteurs d'iPhone. C'est un détail, hein, c'est pété. Ça m'a rendu ouf à l'intérieur de moi-même. J'ai rien dit, mais ça m'a fait un truc genre... Ah, tu vois. Je me suis rendu compte que ma pince à épiler, elle était plus à sa place et ça m'a rendu ouf. Et en même temps que ça me rend ouf de me dire que je m'attache à des trucs matériels et qu'on s'en fout en fait, que j'ai plus mon espace privé et on s'en fout que toutes mes affaires, tout le monde les utilise et c'est pas grave. On s'en fout que j'ai plus ma cuisine pour moi le matin et que j'ai plus mon petit bonheur du matin.
Mais en vrai, non, on s'en fout pas. Et cette expérience, elle me fait me rendre compte à quel point tout ça fait que tu donnes de toi et tu te vides et tu perds un petit peu quelque chose. Et qu'en fait, les petits trucs qui me permettaient de me remplir, elles me manquent. Et tant qu'elles ne me manquaient pas, je ne m'en rendais pas compte. Tu vois, par exemple, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps qui est qu'un matin, tout le monde dormait chez moi. Et je me suis réveillée et j'ai cuisiné en fait. J'ai fait un gâteau. J'étais trop heureuse. On aurait dit que c'était le plus beau jour de ma vie. Et je me suis rendu compte que c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu mon espace de ma cuisine à moi. Et chez moi, parfois, les gens se lèvent tôt le matin, ils se lèvent avant moi. Les moments où c'est moi qui fais le petit déjeuner aux gens que j'accueille, les gens, il y a des personnes qui se lèvent avant moi. Et je me suis rendu compte que du coup, ça m'enlevait mon moment de moi-même dans ma maison. Et que c'était dur, mais c'est pas de leur faute. Et hier, par exemple, avant-hier, j'ai eu quelques heures toute seule chez moi et j'ai eu besoin de me reconnecter avec ma maison. C'est bizarre, j'aurais jamais pensé que j'avais besoin de me reconnecter avec ma maison. C'est une expérience nouvelle. Besoin de se reconnecter avec... C'est comme, tu sais, quand t'es un mec et tu le vois pas pendant longtemps. Là, j'ai un peu le manque de Leandro parce que on travaille beaucoup en fait. En ce moment, lui, il travaille beaucoup. Il a beaucoup de tours et je l'organise beaucoup de tours, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tous les jours, donc on se voit pas. Et en fait, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois, ces moments-là où pendant une semaine, on se voyait pas du tout. Et je suis pas du genre à avoir le manque des mecs, et machin, c'est pas du tout mon délire. Mais je ressens le manque de nous et le manque d'intimité. De choses simples. Je ressens le manque de... Putain, il y a la police qui a arrêté des mecs qui sont super armés, qui est en train de... Super dangereux en ce moment. Très, très dangereux. À cause du carnaval. Bref. Je ressens le manque de juste être tous les deux dans notre pièce. On a l'habitude d'être dans la maison, regarder un film. Ce qui est pourri, c'est rien. Juste regarder un film. Mais je le ressens. Et je crois qu'en fait, tout ça cumulé depuis... maintenant, avant le nouvel an, parce que c'est depuis avant le nouvel an qu'il y a énormément de monde chez moi, que je suis impliquée dans beaucoup de choses, je fais beaucoup de choses. J'étais très impliquée dans mon carnaval, dans la préparation du carnaval par exemple. Et bien, il y a plein de choses qui se sont accumulées et qui se sont vidées en fait dans moi. C'est trop bizarre comme sensation, je te jure. Il y a des petits manques de petites choses qu'on crée un gros vide. C'est vraiment chaud. Je sais pas si c'est une sensation normale, si je suis forte. Du coup là, j'ai hâte de pouvoir me reconnecter juste avec moi-même, avec ma maison, avec mon mec, avec des trucs simples. Donc du coup, aujourd'hui, je suis partie de la maison parce que j'avais besoin d'un autre environnement. Et je suis partie... pour aller au Starbucks et pour juste faire la même chose que je fais tout le temps, c'est-à-dire travailler. Mais, tu vois, par exemple, pardon, je finis pas ma phrase, mais dans un autre environnement. Tu vois, par exemple, j'arrive pas à travailler en ce moment, je poste pas de vidéos, j'arrive pas, il y a trop de monde chez moi. Et en fait, c'est super riche qu'il y ait du monde chez moi parce que les gens sont trop gentils et que les meufs sont hyper intelligentes et qu'on passe beaucoup de temps à avoir des conversations, machin, machin. Mais j'ai le manque de travailler, j'ai le manque de me connecter à YouTube, j'ai le manque de faire des vidéos chez moi. Ouais, en fait, je sais, j'ai que des manques en ce moment. Et je pensais pas trop ressentir des choses comme ça. Et en même temps, du manque, j'ai une sensation de trop plein. J'ai du manque de quelque chose et trop plein de choses. Par exemple, cette année, j'ai pas fait le carnaval. J'ai fait juste. Tu te souviens l'année dernière? J'avais pas fait le carnaval parce que j'étais malade et je l'avais très mal vécu. Il me reste 3 minutes. Je l'avais hyper mal vécu, j'avais fait que pleurer et tout. Parce que j'étais très très malade. Et j'en pouvais plus du carnaval de cette année. Je disais, oui, c'est trop bien, on va le faire. Nanana. Et on a Cinélandia. Nos métros des Cinélandia. Et j'attendais avec impatience ce carnaval. Et j'ai fait mon bloco à moi, mon défilé, qui était merveilleux. Et immédiatement après, j'ai plus eu envie de rien faire. Et j'ai ressenti le trop plein de trop de gens à Rio, trop de gens déguisés, trop de blocos de carnaval, trop de trucs à faire, trop d'énergie. Qui me semble pas très bonne. Et ce trop a fait que je me suis retirée et que je n'ai rien fait. Peut-être aujourd'hui je vais à un bloco et ce sera le même. Ce sera le premier. Tu vois, là je suis dans la rue, je vais essayer de mon
fatiguée de voir des gens déguisés de partout, en fait, alors que c'est mon monde. Mais c'est pas vraiment mon monde parce que c'est que des gens de dehors et que des gens déguisés. C'est marrant, en fait. Je crois que quand tu es à Rio pour la première fois, c'est un truc de fou de voir des gens déguisés partout. C'est génial. Mais moi, j'ai pas. Là, j'ai qu'une envie, c'est que le carnaval il se termine et revenir à des choses simples. Regarde, je te montre Rio pendant le carnaval. Là, il n'y a pas de bloco, donc c'est calme. C'est très calme. Des gens déguisés partout, il y a des humains partout, ça me fatigue. Ça m'épuise, il y a des déchets partout. Tu vois, des déchets, parce que les gens respectent rien. Ils se trop plein de tout, de déchets d'humains, ils m'étouffent. Bref, cette sensation, voilà, c'est là, c'est ma boule au ventre. Ma boule au ventre, c'est un trop plein de gens, trop plein d'humains, trop plein de choses et trop vite d'autres choses. Voilà. Je vais essayer de voyager après le carnaval. Je suis fatiguée un peu de voir. Regarde. Aussi des contrastes, je crois. Des gens si pauvres, il y a tellement de misère à Rio, t'as pas idée. Je pense que tu peux pas te rendre compte si tu viens pas à Rio de la misère qu'il y a. Et de voir autant de misère et autant d'argent gâché. Autant de gens pas conscients, mais ils font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est moi. Hein. Ça me fatigue un peu.